C'est la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2022 de l'École supérieure d'informatique de Paris et que l'on appelle plus communément SupInfo. C'est la 57e promotion que nous diplômons. C'est un marqueur extrêmement important pour l'école et pour sa notoriété, sa visibilité dans ce bel endroit, évidemment, qu'est le Palais des Congrès de Paris. Être major de promo, c'est une grande fierté. Ça fait plaisir de pouvoir conclure ce parcours sur cette note. Donc, très heureux en tout cas. C'est en fait tout le travail qui paye enfin. C'est quelque chose qui est très, très reconnaissant. J'ai choisi SupInfo puisque je voulais faire de l'informatique. Essayer d'éviter de faire des matières comme par exemple les mathématiques, la physique. Et ben, je préférais les appliquer au domaine de l'informatique. Donc c'est ce qui m'a fait choisir SupInfo et également la diversité des technologies qu'on y rencontre. On voit tous les métiers de l'informatique, mais on peut aussi avoir des notions dans tous les domaines. J'ai beaucoup aimé le côté d'avoir des stages qui sont proposés chaque année et qui permettent au final de voir en pratique ce qu'on a appris. Et puis je dois avouer que c'est lors des portes ouvertes que j'ai vraiment été conquis quand j'ai vu l'entraide entre les promotions et la bonne humeur sur le campus. Et puis c'est aussi une promotion qui réussit puisque la quasi-totalité sont en emploi. J'ai eu la chance d'être embauchée en CDI dans une société de prestations, Géa Technologies, et j'ai intégré du coup Euro Information, la filiale technologique du groupe Crédit Mutuel. Aujourd'hui, je suis administrateur système et réseau chez Soluceo, une ESN, donc une société de services basée sur Grenoble. Merci d'accueillir chaleureusement Mehdi Colli, cofondateur de Time for the Planet et parrain de la promotion 2022. Il y a une conviction que j'ai, c'est que l'entrepreneuriat est une des façons les plus puissantes de faire changer le monde. Et qu'il faut en avoir conscience, parce que quand on en a conscience et qu'on utilise l'entrepreneuriat pour changer les choses, on a une énergie et on a un réseau qui se déploie autour de soi qui est incroyable en fait. On peut beaucoup plus facilement, je pense, développer aujourd'hui une entreprise qui a du sens qu'une entreprise qui n'en a pas, parce que ça emporte des soutiens et du réseau autour de soi. Après toutes ces années, je porte un regard très positif sur SupInfo. C'est une école qui nous a beaucoup appris. Sur le plan de vue personnel, mais également sur le point de vue de nos compétences. Donc, très heureux d'avoir pu faire mes études sur SupInfo. J'ai aussi fait de très belles rencontres, avec qui j'ai encore des liens forts aujourd'hui, avec qui j'ai fait toute ma scolarité. Et j'ai aussi fait de belles rencontres professionnellement. Et j'ai eu des stages très formateurs, qui m'ont permis de me créer un bon réseau. Et puis, je vous avoue que de plus être étudiante, ça me fait un peu bizarre. Et puis, je rentre dans la vie active, quoi.